Bonjour, bienvenue à tous. C'est avec un plaisir immense que je vais vous commenter ce match avec Franck Sauzet, celui que l'on ne présente plus. Merci Hervé, bonjour à tous. C'est un petit peu le match des extrêmes aujourd'hui. Bon, c'est peut-être un peu excessif de votre part. Disons que les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie, tout simplement. C'est certain. Mais oh, attention, le poteau, c'est pas fini. Et la voilà, la frappe. Elle marque. Et ce but est d'autant plus beau hein, qu'il a été marqué dans un angle absolument impossible. Hervé, écoutez, c'est incroyable. Jamais je n'aurais pensé qu'il puisse marquer de là. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Et encore une belle balle sur le côté. À toi, à moi, ça circule bien. Et la belle passe. L'intervention de Gourcuff qui intercepte. Mathieu Debuchy. Le drapeau s'est levé. Oh, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est Debuchy qui pèse ballon. Il y a un petit peu d'espace sur l'aile maintenant. Johan Cabaye. Johan Gourcuff. Mais à présent, Samir Nasri. Et en passe. Il vient lui prendre ce ballon. C'est une portée de balle. Karim Benzema en profite pour intercepter. Oh, ça c'est une bonne balle dans la défense. Le ballon qui va changer de possession. Ballon contre eux. Voilà, pas très malin là, de faire une main à cet endroit. Ah, c'est sûr que c'est jamais malin, mais vous avez raison. Ici, c'est encore plus problématique. Ah, c'est passé tout près sur cette action. Ah, oui, parce qu'il se dit là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. Sortie de but et les bleus qui vont pouvoir se dégager. On cherche l'ouverture. On être finalement à la touche. L'Euro qui reste une compétition récente qui a connu beaucoup de changements dans son organisation. C'est vrai qu'il y a eu longtemps un seul tour, puis deux. Le format des éliminatoires a parfois changé lui aussi. Et depuis quelques années, il est souvent organisé dans deux pays à la fois, comme cette année. Et le gardien qui va s'emparer de ce ballon.
ce ballon est perdu. Ouais, la tête, c'est bien vu. Oh, il se trouve bien. Oh, ça va rentrer. Ouais, le gardien, c'est pas fini. Oh, oui, le centre, il y a danger. Le défenseur qui est le plus prompt sur ce ballon. C'est récupéré par Yann Gourcuff. Mathieu Valbuena. Et... Allez, faut dégager maintenant. Il donne l'interception. Et la passe qui avait une bonne situation de jeu. Il l'a centré. Ouais, bon geste défensif sur cette passe. Tevra. Pour qui il fait ? On va prendre possession du ballon. Ouais, belle talonnade. Son partenaire. Ouais, je le tire. Oh, il repousse. Samir Nasri qui intercepte la passe. Bon jeu de passe, rien à dire. Ouais, également servi. Attention. Ah, c'est un but pour l'équipe de France. But pour l'équipe de France. On voit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Et tout vient de cette passe décisive. En effet, c'est là que la différence se fait. Et placé comme cela au ras du poteau, c'est très difficile pour le gardien d'aller la chercher. Et de but à rien, il domine les débats. Oh, le tir! Oh, oui, but! On est vraiment passé d'un but à l'autre en passant juste rapidement par le rond central. Oui, vous avez raison, mais là, ils se sont vraiment rués à l'attaque et finalement ça a payé. Hein. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Jérémy Ménez. Patrice Evra, interception. Belle passe, le centre dans la surface de réparation. Un accès pour personne. Le défenseur s'interpose sur ce centre. Et voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause avec ce score de 2 buts à 1. I don't